Très bien, merci. Bonjour, bonsoir, 16 heures, on ne sait jamais vraiment ce qu'il faut dire. En tout cas, on est ravis de revenir dans le cadre de ce cycle de conférences consacré aux plateformes numériques. Cycle de conférences qui est organisé par l'Université Sorbonne Paris Nord et l'IRDA, qui est le centre de recherche, et auquel est associé l'IRJS, Institut de Recherche, Jurisprudence et je ne sais plus quoi, de la Sorbonne, voilà, de l'Université Paris 1. Les responsables scientifiques sont ici présents, moi-même, mais également le professeur Bernard Haftel et madame le professeur Nathalie Blanc. Et le thème d'aujourd'hui, qui paraît surprenant, vous allez voir, mais à la fin de ces deux heures, il n'y aura plus aucune surprise, c'est de rapprocher les plateformes numériques de la question environnementale. Plateformes numériques et environnement, voici le thème qui va être traité. Donc je tiens à remercier de nouveau la Cour de cassation de nous accueillir dans ce lieu prestigieux qu'est la Grande Chambre de la Cour de cassation. L'équipe est à chaque fois d'une efficacité redoutable et cela nous permet justement de profiter de ce lieu pour aborder un sujet d'une particulière importance, surtout aujourd'hui. Je remercie également l'ensemble des intervenantes. On a ici un atelier très féminin, c'est ce que je soulignais tout à l'heure. Je vais présenter assez brièvement chacune d'entre elles, commencer par Laura Canali, qui n'est plus, comme cela est indiqué sur le programme, doctorante, mais désormais docteur en droit privé et en droit public au sein de la faculté d'Aix-en-Provence, après avoir soutenu une thèse sur, le titre exact, c'est « Le procès et le changement climatique, étude de la réalisation juridictionnelle du droit climatique », sous la direction de Mathilde Autreau-Boutonnet, une grande spécialiste du sujet, et Ève Truillet, qui sont toutes deux professeurs à l'Université d'Aix-Marseille. Elle est également enseignante-chercheuse contractuelle actuellement à l'Université de Nîmes, et nous la remercions de consacrer du temps et d'avoir consacré du temps à réfléchir à ce sujet des plateformes numériques et de l'environnement. Je reviendrai sur son intitulé tout à l'heure. Deuxième intervenante, et qui sera la deuxième à intervenir également, qui est Madame Christelle Courny, qui est juste à côté de moi, qui est professeure de droit public à l'IUP de Toulouse et qui est également directrice du comité de la transition écologique de son établissement et responsable du master première et deuxième année sur transition écologique, risque et santé. Elle est également membre du projet ANR sur procès climatique et expert, c'est ça ? Et membre du collectif de chercheurs Atécopole. Et bien entendu, ses travaux, pour ceux qui la connaissent, portent sur la justice climatique, sur le contentieux climatique et sur la question des migrations environnementales. Et enfin, troisième intervenante, Jennifer Bardi, qui, elle, est maître de conférence à l'Université Côte d'Azur, donc Nice, et qui est membre du CREDEC. C'est bien comme ça qu'on prononce ? GREDEG. D'accord, pardon, GREDEG. Alors GREDEG, voilà, et qui co-dirige le master juriste des risques et de développement durable. Donc nous avons des spécialistes de la matière, mais avant de commencer, de leur donner la parole, puisque tout se fera, vous le verrez, en deux temps. Il y aura un premier tour de table au cours duquel on dressera d'une certaine manière un état des lieux, de manière rétrospective, voir quels sont les liens que peuvent entretenir plateformes numériques et environnement. Et il y aura, dans un deuxième temps, une approche un peu plus prospective en essayant de souligner les effets pervers, les insuffisances, éventuellement les remèdes qui peuvent être apportés pour mieux exploiter les plateformes numériques, vous le verrez, dans une cause environnementale. Avant cela, je disais tout à l'heure que le lien entre plateformes numériques et environnement peut surprendre.
Mais vous allez voir que même si le sujet paraît complexe et un certain nombre de personnes que j'ai sollicitées ont refusé de participer à cette table ronde, ne parvenant pas à surmonter l'obstacle d'une réflexion sur un thème sur lequel on n'a pas beaucoup écrit, c'est vrai, mais vous allez voir que le lien est pourtant naturel et même nécessaire aujourd'hui entre ces deux notions qui sont plateforme numérique et environnement. D'abord, pour ce qui est de la plateforme numérique, généralement, on l'aborde sous l'angle du marché, c'est-à-dire une sorte de marché numérique. Et quand on en donne une définition un peu générique, et plusieurs fois ce terme a été défini, donc je n'y reviens pas dans le cadre de ce cycle de conférences, c'est une interface dématérialisée facilitant la rencontre de l'offre et de la demande. Et vous voyez ici l'aspect purement économique, finalement, ce vecteur d'échange qui permet justement de répondre à des besoins en satisfaisant le rapprochement et en favorisant le rapprochement entre offre et demande. De l'autre côté, l'environnement, alors je ne vais pas passer des heures à définir ce qu'est l'environnement, mais il est important de rappeler que c'est un droit qui est difficilement saisissable, que c'est un droit transversal qui très souvent dépasse l'ensemble des dichotomies, droit interne, droit international, droit public, droit privé, droit dur, droit souple. Il est souvent présenté également comme un droit inter- ou transdisciplinaire, et on le verra particulièrement aujourd'hui. Hein, il est au carrefour de considérations économiques, politiques, sociologiques et bien entendu juridiques, point sur lesquels on reviendra. La particularité de ce droit, et qui le rend d'autant plus complexe, c'est également un droit déterritorialisé, sans frontières. Et très souvent, c'est un obstacle à l'efficacité des règles qui peuvent être édictées en la matière. Droit désétatisé, où souvent ce sont les entreprises qui ont le dernier mot, les grandes entreprises, les multinationales ou le carbon major pour un certain nombre d'entre elles. Et c'est un droit où règne, bien entendu, l'incertitude scientifique. Et tous ces éléments, toutes ces données sont très importantes, puisqu'elles permettent de comprendre pourquoi on a affaire à un droit dans lequel il faut faire preuve de beaucoup de créativité et de beaucoup d'imagination. Et on verra qu'avec la question des plateformes, on a peut-être à sa disposition un outil particulièrement efficace pour améliorer les politiques publiques et éventuellement même les initiatives venant de la société civile. Et justement, il y a deux aspects qui viennent en tête et sur lesquels on reviendra, notamment avec la présentation que nous fera Laura Canali dans un premier temps, c'est que les plateformes numériques sont souvent abordées comme étant la cause de diverses atteintes à l'environnement, comme en ayant une empreinte carbone assez importante, en étant de gros consommateurs d'énergie. Et c'est généralement cet aspect-là que l'on met au premier plan. Mais il y a un autre aspect tout aussi important et plus important encore, c'est que ces plateformes s'avèrent être un outil au service de causes environnementales, et on verra comment cet instrument peut être très très utile à diverses politiques environnementales ou diverses actions environnementale menée par les acteurs de la société civile. Et c'est ici la plateforme qui change de modèle. Ce n'est plus le modèle du marché tel que je l'ai évoqué tout à l'heure, mais un autre paradigme, cette plateforme qui serait le support d'une nouvelle forme de démocratie. On l'a souvent évoqué, une démocratie environnementale, démocratie participative, démocratie parajudiciaire. Et on verra justement comment ces plateformes peuvent favoriser l'échange, peuvent favoriser le partage, et ces caractéristiques sont importantes puisque ce sont elles qui donnent au sujet et au rapprochement entre plateformes numériques et environnement toute son originalité. Alors, il faut comprendre tout de même que la plateforme en elle-même n'a aucune coloration particulière, ça reste une simple matrice, c'est un instrument, c'est un outil, et pour essayer justement très brièvement, pour poser la toile de fond et faciliter ensuite le travail des différentes intervenantes, juste essayer de mieux en comprendre les contours, et pour cela il faut insister sur les fonctions, en tout cas les principales fonctions que l'on peut attribuer à une plateforme numérique dans le cadre d'une réflexion environnementale. Et il y a principalement trois fonctions que l'on peut évoquer assez brièvement, puisque je ne veux pas monopoliser la parole. La première fonction est évidemment une fonction juridique, et la plateforme contribue à ce que la Convention d'Aarhus protège particulièrement, c'est cette idée de participation, d'accès à l'information, d'accès au droit, d'accès au juge. Et d'une certaine manière, les plateformes contribuent à renforcer les objectifs de la Convention d'Aarhus.
Alors d'abord, cette fonction juridique, elle est d'ordre stratégique. On va voir comment cette plateforme, et notamment Christelle Courny nous dira un certain nombre de choses sur le sujet, comment cette plateforme permet d'améliorer une certaine forme d'activisme judiciaire, puisqu'elle est l'occasion de faire le lien entre des décisions, de partager éventuellement des arguments, et souvent des décisions qui ont été rendues dans un pays, qui ont une autorité relative de la chose jugée, eh bien, vont tout de même avoir une influence à l'étranger. Et cette influence, ce n'est pas par raison d'autorité, mais plutôt par l'autorité de la raison. Les arguments qui sont développés dans ces décisions sont repris par d'autres juridictions, par d'autres systèmes juridiques. Et on verra que c'est une stratégie, notamment en matière climatique, qui fonctionne assez bien. Ce qui entraîne, selon l'analyse de certains, une forme de déspatialisation des décisions de justice, ce qui est en lien d'ailleurs avec ce que j'y disais du droit de l'environnement, qu'il est déterritorialisé et qu'il faut très souvent essayer, dans des solutions locales, eh bien, de prendre en considération des problématiques qui sont globales. Alors, autre point important dans cette fonction juridique, c'est une fonction pédagogique, puisque ce que permettent les plateformes numériques, c'est un accès à l'information. D'abord, pour les acteurs, par les acteurs privés, on a toute une série d'ONG qui ont mis en place des plateformes qui permettent d'accompagner éventuellement des personnes morales ou des personnes physiques dans des démarches qui sont des démarches activistes, nous, ou en tout cas destinées à mieux protéger l'environnement. Ce sont les acteurs publics eux-mêmes qui peuvent utiliser ces plateformes dans sa fonction pédagogique. L'État n'hésite pas à mettre en place des plateformes telles que la plateforme Projet Environnement gouv.fr, qui permet d'accéder à l'information sur des projets et leur impact sur l'environnement. Il y a énormément d'exemples, je n'en prends qu'un seul. Mais les acteurs privés et les acteurs publics utilisent cette plateforme comme un moyen justement de communiquer et de diffuser de l'information dans un souci pédagogique. Et puis, toujours sur le plan juridique, fonction stratégique, fonction pédagogique et fonction probatoire, puisque cette plateforme permet de recueillir toute une série de données, toute une série de rapports, de contributions scientifiques, et tout cela permet, dans un domaine, je l'ai dit, où l'incertitude scientifique domine, eh bien de réduire, dans une certaine mesure, cette part d'incertitude, et de s'appuyer sur des travaux scientifiques qui ont été faits par ailleurs et qui sont partagés plus facilement grâce à l'existence de ces plateformes. Tout cela contribuant à renforcer l'effectivité des règles, des politiques et l'efficacité des règles et des politiques en matière environnementale. Fonction juridique, deuxième fonction, fonction politique. On l'a déjà un peu évoqué, mais la plateforme sert aussi, elle a une fonction de protestation. C'est un outil qu'on a qualifié d'empowerment citoyen, où l'activisme peut justement, en tout cas, y trouver des éléments renforçant l'efficacité, par exemple, d'une campagne de sensibilisation, ou pour soit organiser des pétitions ou expliquer de quelle manière on peut mettre en place de telles pétitions. Si je prends Greenpeace et son fameux Green Voice, c'est justement un des exemples que l'on cite assez fréquemment de cette utilisation politique, puisqu'il y a l'idée ici d'utiliser ces plateformes comme une arme, notamment avec l'aide du droit, mais comme une arme à part entière. Plateforme également qui sert à collaborer, puisque c'est l'occasion dans certaines plateformes de discuter, de construire, d'échanger, un peu comme on pourrait le faire avec Wikipédia, où chacun apporte sa contribution. Il y a des plateformes telles que Open Climat qui permettent justement ce type de co-construction. Et puis bien entendu, dans cette plateforme de collaboration, on a aussi le souci, par ces plateformes, de sensibiliser, d'éduquer les citoyens. Il y a de nombreux exemples que je vais, en tout cas, ne pas évoquer ici. Ils seront probablement détaillés par nos différents intervenants. Et puis enfin, fonction économique, et dans le cadre de cette fonction économique, c'est Jennifer Bardi qui insistera peut-être davantage, où ces plateformes sont aussi l'occasion de développer une économie collaborative et circulaire, qui permet là aussi d'optimiser un certain nombre de mesures permettant de
réduire la consommation d'énergie, de mieux gérer les déchets. Tout cela se fait là aussi au moyen d'outils numériques et notamment de plateformes. Et toujours dans cet esprit de fonction économique, la fonction de labellisation qui est attribuée à certaines plateformes qui permet de distribuer des bons ou des mauvais points en mettant en tout cas en mettant à disposition du public des informations qui permettent justement de jouer le jeu de ce qu'on appelle le name and shame. Les plateformes ont là aussi un rôle fondamental à jouer. Donc vous le voyez, à travers ces quelques fonctions, très brièvement, on voit toutes les virtualités des plateformes numériques au service des causes environnementales, et c'est un aspect qui est peu étudié, alors qu'on verra que dans l'écosystème juridique, l'écosystème économique et politique, eh bien, ce sont ces plateformes qui permettent justement de renforcer l'efficacité des politiques publiques, et j'insiste également de renforcer l'efficacité des actions menées par les membres de la société civile. Alors, pour commencer sur cette question, première intervention, ce sera l'intervention de Laura Canali, qu'elle a intitulée de la manière suivante et qui permet de poser, vous allez voir, la toile de fond et les deux aspects des fonctions que l'on peut attribuer aux plateformes, en tout cas des liens entre plateformes et environnement. L'intitulé est le suivant: les plateformes numériques, un outil de mise en œuvre du droit de l'environnement, point d'interrogation. Et je lui laisse la parole. Merci. Merci. Donc, avant de commencer de répondre à cette interrogation, à cette question que je me suis posée, je voudrais remercier les organisateurs et la Cour de cassation de m'avoir invité à participer à ce cycle de conférences et plus particulièrement à cette table ronde sur un sujet peu exploré, comme vous l'avez dit, celui des plateformes numériques et de l'environnement. Donc, sujet auquel je dois l'avouer, je m'étais peu penchée avant de préparer cette intervention. Et donc, je remercie d'autant plus les organisateurs qu'ils m'auront permis d'explorer un nouveau pan de recherche. Merci. Donc, quel lien existe-t-il entre, par exemple, la plateforme NASCA, qui recense les engagements non étatiques en faveur de la lutte contre le changement climatique, une plateforme comme Yuka ou Open Food Facts, qui répertorie l'impact environnemental des produits de consommation, ou encore l'Ocean Data Platform, laquelle met en ligne les données océaniques créées par Microsoft afin d'assurer le suivi des émissions de gaz à effet de serre de la flotte maritime mondiale. Donc, ces trois plateformes que je viens de citer, on pourrait en citer bien d'autres encore, reflètent une nouvelle réalité du champ social qui est intéressant d'essayer d'appréhender, l'apparition de plateformes numériques visant à contribuer à une meilleure protection de l'environnement. Alors, sous le bénéfice des précisions d'ordre terminologique envisagées par le professeur Mecky, je ne reviendrai pas sur les définitions des termes environnement et plateforme numérique, mais il convient d'envisager le rapprochement de ces deux termes, rapprochement qui ne va pas de soi, du moins qui n'a pas été réalisé et qui semble être un angle mort de la doctrine juridique. Alors, plateforme numérique et environnement, deux sphères a priori que tout oppose, peut-être, du moins lorsque les deux termes sont rapprochés, ce qu'on remarque, c'est que c'est pour souligner l'impact sur l'environnement que les plateformes numériques peuvent avoir. Et donc, les plateformes numériques seraient un ennemi supplémentaire de l'environnement. Or, ce dernier aspect, bien que digne de réflexion et important, n'est pas la problématique que nous avons retenue et que moi, j'explorerai aujourd'hui. Selon nous, en tout cas au terme des recherches que j'ai pu entreprendre, la rencontre entre plateformes numériques et environnement pose deux séries de questions. La première serait formulée ainsi: dans quelle mesure et de quelle manière le droit de l'environnement s'applique aux activités des plateformes numériques? Alors, c'est là aussi une question très louable. Par manque de temps, je ne vais pas l'explorer. Peut-être qu'on va y revenir lors des discussions. Donc, je ne vais pas développer sur ce point, mais juste, je préciserai que la prise en compte croissante de la protection de l'environnement dans l'ordonnancement juridique et dans divers secteurs d'activité est aussi perceptible dans le secteur des plateformes numériques. En effet, l'État, sans réglementer, cherche, alors là, sans contraindre, incite progressivement,
par la méthode, on pourra y revenir, de la co-régulation, les plateformes donc incitent les plateformes à prendre davantage en compte leur impact environnemental. Alors on voit émerger ici et là la plateforme Amazon, Blablacar, etc. À signer des chartes ou des codes de bonne conduite. Et aussi, on pense aux obligations de déclaration de performance extra-financière ou à l'élaboration de plans de vigilance, du plan de vigilance donc présent dans le code de commerce, qui peuvent s'appliquer à certaines plateformes numériques. Alors, donc, et pensons aussi à la directive européenne sur le devoir de vigilance qui est en cours de discussion, qui élargit le champ d'application de la loi française, qui pourrait permettre à de nouvelles plateformes numériques d'être sous le coup de cette obligation, et aussi les nouvelles obligations de déclaration de performance extra-financière au 1er janvier 2024. Mais c'est sur une autre question que je me pencherai plus longuement aujourd'hui, celle de l'incidence que les plateformes numériques ont sur la pratique du droit de l'environnement. En quelque sorte, ici, serait de voir le droit de l'environnement qui subirait l'action des plateformes numériques. Et donc, on peut s'interroger dans ce premier tour de table ronde aux fonctions que remplissent les plateformes dans la mise en œuvre du droit de l'environnement. Et pour percevoir ces fonctions, il convient de rappeler qu'une plateforme est avant tout un intermédiaire et que cet intermédiaire recourt à la technique algorithmique pour fonctionner. Et donc ces deux caractéristiques, intermédiation et utilisation de la technique algorithmique, nous serviront de trame pour déployer notre analyse sur les fonctions des plateformes en droit de l'environnement. Donc tout d'abord, ce rôle d'intermédiation est... quelle fonction cette nouvelle intermédiation peut jouer dans le champ environnemental. Donc, à la fois support de communication et espace de rencontre et d'échange, la plateforme numérique joue foncièrement un rôle d'intermédiaire, ça a été rappelé. C'est alors une nouvelle figure du tiers qui apparaît dans la sphère du droit à côté, en parallèle, de celle bien connue du juge, du législateur, de l'arbitre ou encore du notaire. Or, ces tiers numériques, qu'ils soient d'origine publique, incarnés dans la figure de l'État-plateforme, qu'on retrouve pas mal en doctrine, cette terminologie, ou d'origine privée, donc ces plateformes ont pour point commun de permettre, dans un espace à présent dématérialisé cette fois, d'établir de nouvelles relations ou connexions entre les individus ou groupes d'individus. Et cette nouvelle intermédiation, par les plateformes numériques, peuvent être envisagées comme un outil qui favorise la mise en œuvre du droit de l'environnement. Et donc, au fin de cette démonstration, je ne vais pas m'attarder sur des règles spécifiques ou sectorielles du droit de l'environnement, j'aurais pu le faire, mais je vais plutôt regarder l'étude des grands principes structurants du droit de l'environnement, contenu dans la Charte de l'environnement ou dans le Code de l'environnement, pour voir dans quelle mesure les plateformes sont un outil à la mise en œuvre, à plus d'efficacité de ces principes structurants du droit de l'environnement. Donc, deux catégories de principes sont bien connues. La catégorie des droits, des principes procéduraux et des principes matériels. Donc, l'affirmation des principes procéduraux d'information et de participation du public en matière environnementale, contenue dans la Convention d'Aarhus, dans la Charte de l'environnement, dans le Code de l'environnement, impose des changements d'importance dans la gestion et dans la gouvernance des problématiques environnementales. Et donc ici, les plateformes deviennent un appui majeur pour la mise en œuvre de ce principe d'information et de participation du public en matière environnementale. Donc un appui d'abord dans la mise en œuvre du principe d'information environnementale. Ce qu'on remarque, c'est que plusieurs plateformes publiques permettent de réduire le clivage entre le citoyen et les autorités résultant du déséquilibre informatif. À cet effet, on peut citer, il y a plusieurs plateformes qu'on pourrait citer, mais l'exemple qu'a donné le professeur Mecky de la plateforme projetenvironnement.gouv.fr est en ce sens topique, parce que cette plateforme donc d'État fournit des informations sur tous les projets soumis à études d'impact environnemental sur le territoire national.
Le public peut ainsi accéder à toutes les données des études d'impact, ainsi qu'aux consultations du public organisées dans les différentes préfectures. Donc la plateforme assure la mise en relation là entre les citoyens et la donnée que fournissent les différentes préfectures en termes d'autorisation environnementale. Autre exemple de l'utilisation des plateformes numériques en matière d'information du public, on pense à la plateforme publique, cette fois encore, Réco Santé. Donc c'est une plateforme qui a été créée très récemment, en 2021. Elle a été conjointement créée par le ministère de la Santé et le ministère de l'Environnement, et elle vise à informer la population de la pollution de l'air jour par jour dans les différentes communes françaises. Mais alors là, dresser ce portrait avec ces deux exemples, on pourrait croire que c'est seulement l'apanage des plateformes publiques qui viendraient essayer de traduire le principe d'information du public. Mais alors il n'en est rien, puisque aussi la recherche montre qu'on a la création de multiples plateformes d'origine privée cette fois, qui fournissent une information environnementale, et là qui va être plus ciblée à l'adresse du consommateur. Citons par exemple des plateformes que vous connaissez peut-être, Yuka, Open Food Tracks, EcoAchat, lesquelles informent le consommateur cette fois de l'impact écologique de certains biens, produits, et qui va même jusqu'à attribuer des notes et, si la note n'est pas bonne, proposer un autre produit de remplacement. On peut aussi mentionner les plateformes Open Climate ou plandevigilance.org, lesquelles centralisent les informations fournies par des tiers. Et ces informations, elles concernent le bilan carbone et les actions climatiques de grandes entreprises. Donc cette information environnementale a alors pour fonction, en plus d'assurer donc ce principe d'information environnementale du public, là des consommateurs, de mettre en avant certaines entreprises, d'en laisser sur le côté d'autres, et donc de dire qui est le bon et le mauvais élève en termes de protection de l'environnement. Ensuite, donc, dresser rapidement ce portrait en concernant l'information, le principe d'information. Creusons un peu sur le principe de participation. En effet, les plateformes sont un appui dans sa mise en œuvre, car elles permettent là de relier les citoyens entre eux et de créer un espace à la fois qui peut être vertical et horizontal, de rencontres et de dialogues. Plusieurs techniques de participation sont identifiables, lesquelles sont peu à peu toutes investies par des plateformes numériques. Alors, le premier degré de la participation, la contestation, où là, grâce à des plateformes, on peut donc réaliser des pétitions. Ça a été déjà mentionné, la plateforme Green Voice est topique sur ce point. Mais la participation, c'est aussi synonyme de concertation et de consultation du public, où là, le citoyen donne son avis. Là, donc sur un projet, sur un programme environnemental. Là aussi, une plateforme remplit ce rôle, en tout cas cherche à appuyer cette concertation ou consultation, et je citerai la plateforme make.org. Et ensuite, la participation à la décision environnementale, donc essayer de faire en sorte que les citoyens participe à la prise de décision. Une plateforme collectivité.voter.co qui est utilisée par les collectivités territoriales pour mettre en place un dialogue avec les citoyens. Alors ça peut être dans le cadre d'une décision environnementale, mais sur d'autres sujets, les crèches, la cantine, etc. Et donc là, on remarque en allant sur la plateforme que plusieurs villes et communes ont déjà utilisé cette plateforme. Et ensuite, dernier chaînon de cette participation, la participation à la gestion en commun de l'environnement. Donc là, c'est le degré ultime de la participation qui serait la plus achevée, une participation achevée. Et là, je ferai référence à la plateforme Decidim.org qui est née à Barcelone, donc qui est une plateforme d'origine espagnole, mais qui est utilisée
donc pour la participation de la gestion en commun d'un bien environnemental. Donc là, c'est intéressant parce que la plateforme Décidim, c'est un bien commun numérique qui est, et donc de voir les relations entre bien commun numérique et bien commun naturel que tentent ces plateformes de protéger. Et on a un exemple de cette utilisation de cette plateforme par la régie d'Eau de Paris, qui, pour voter son budget de manière participative, a eu recours à la plateforme Décidim. Et on remarque aussi d'autres expériences dans d'autres territoires. Donc, à côté de la mise en œuvre des principes procéduraux du droit de l'environnement, les plateformes numériques accompagnent aussi la mise en œuvre des principes matériels du droit de l'environnement. Alors, je ne vais pas faire tous les principes matériels du droit de l'environnement, je vais n'en retenir que deux, le principe de prévention et le principe du pollueur-payeur. Donc, concernant le principe de prévention, les plateformes numériques peuvent accélérer et optimiser les politiques publiques de prévention du risque environnemental ou du risque climatique. En effet, la numérisation permet de renforcer les possibilités de surveillance de la pollution de l'air, de l'eau, de la protection de la faune, de la flore, etc. Et la prévention nécessite de connaître le risque pour que ensuite la personne publique décide. Donc, pour connaître le risque environnemental, le prévenir, l'éviter, l'information scientifique est nécessaire. Et à cet égard, on remarque déjà de nombreuses plateformes ont pour objectif de fournir une connaissance plus fine de l'état des milieux naturels ainsi que de la pollution. Elles remplissent alors là une fonction pédagogique pour les décideurs, car ces plateformes numériques qu'on peut appeler de connaissances peuvent alerter et accélérer l'adoption de politiques de lutte contre le changement climatique ou de lutte contre la perte de biodiversité. Et j'en finis sur la biodiversité pour donner l'exemple d'une plateforme publique qu'a créée l'ONU, donc la UN Biodiversity Lab, qui utilise les données spatiales fournies entre autres par la NASA et des outils analytiques afin de générer des informations sur l'état de la conservation de la biodiversité dans différentes régions du monde. Et à l'échelle nationale, une même logique peut apparaître en termes de principes de prévention. La plateforme, là, cette fois étatique, Track Déchets, est un exemple aussi de cet appui dans la mise en œuvre du principe de prévention. Cette plateforme, développée par le ministère de la Transition écologique, vise à simplifier la gestion de la traçabilité du déchet et donc de prévenir de potentiels accidents. Et donc lors du transport du déchet dangereux, hein, c'est pour les déchets dangereux, et de permettre une réponse plus facile, plus rapide face à une potentielle catastrophe en cas d'accident. À côté de cet appui à la mise en œuvre du principe de prévention, j'en terminerai avec l'idée de mes principes, cet appui dans la mise en œuvre du principe de pollueur-payeur. Et là, je prendrai ici pour exemple un cas bien particulier, c'est la mise en œuvre de l'obligation de compensation écologique d'un projet ou d'un programme. C'est la dernière étape de la séquence ERC, éviter, réduire, compenser, qui est prévue par la loi de biodiversité de 2016 et qui est une traduction directe du principe de pollueur-payeur. Donc, la loi prévoit depuis 2016 que, dorénavant, les impacts d'un projet ou d'un programme sur la biodiversité doivent être compensés à travers des mesures compensatoires environnementales qui vont être réalisées sur un site naturel dédié. Alors, dans la plupart des cas, la compensation de cet impact biodiversité ne sera possible grâce à l'intervention de plusieurs acteurs. L'industriel, la personne publique, l'exploitant, n'ayant pas la capacité technique de compenser seul son impact environnemental. C'est donc à cet endroit que l'apparition de plateformes vient faciliter la mise en relation des différents acteurs nécessaires à la réalisation des mesures de compensation entre eux. Et cette fonction est déjà remplie par plusieurs plateformes privées, comme la plateforme Tervalia ou Derven, lesquelles permettent d'identifier les terrains fonciers qui seront susceptibles de recevoir des opérations de compensation,
Et ensuite, une mise en relation afin que le débiteur de l'obligation de compensation puisse choisir et être mis en relation avec le futur prestataire de la compensation. Et cette même logique, elle est à l'œuvre aussi pour les compensations des émissions de gaz à effet de serre, qui sont parfois obligatoires, bien souvent volontaires. Et là aussi, parce qu'il y a une demande, une offre apparaît, et certaines plateformes comme Carbon App ou Going for Zero sont des outils pour déterminer les mesures de compensation carbone à prendre, donc pour effectuer la compensation. Une plateforme qui recense aussi les projets de compensation carbone et qui va permettre de labelliser auprès du ministère de l'écologie les projets bas carbone. Donc, comme nous venons de l'aborder, la plateformisation du droit de l'environnement, donc cette influence que la plateforme peut avoir et quel outil, quelle fonction elle peut remplir, a d'abord pour caractéristique l'apparition de nouveaux intermédiaires. Mais l'une des autres caractéristiques, je serai un peu plus rapide sur ce point, c'est l'utilisation de la technique algorithmique. En effet, les plateformes numériques ont recours à un algorithme pour fonctionner. Ce dernier est décrit par le Conseil d'État comme les étapes qui permettent de convertir des données d'entrée, donc ça peut être un son, une image, un texte, des chiffres, en données de sortie, qui là va pouvoir être une réponse, oui ou non, à la question posée, une recommandation, une prévision ou une décision. Pour plus de précision dans les définitions, il y a une définition aussi qui a été donnée par la CNIL, donc de ce qu'est un algorithme. Néanmoins, l'algorithme n'est pas un, il est multiple. Il existe plusieurs catégories d'algorithmes selon la formule retenue. Et cette différence de nature entre les algorithmes entraîne, selon moi, une différence dans les fonctions que remplissent les plateformes dans la mise en œuvre du droit de l'environnement. Tout d'abord, et là, ça sera en trois points. Tout d'abord, l'algorithme utilisé par une plateforme peut être prédictif. À cet endroit, l'algorithme utilisé par la plateforme environnementale a pour tâche d'évaluer la probabilité d'une action future pour un problème spécifique. Les algorithmes prédictifs, bien étudiés pour, en ce qui concerne la justice prédictive, mais les algorithmes prédictifs reproduisent le passé pour prédire l'avenir et peuvent alors aider à anticiper les risques environnementaux et à pronostiquer la survenance de futurs dommages causés à l'environnement ou aux personnes humaines. Donc à cet endroit, les plateformes ont pour fonction de réduire l'incertitude environnementale. Et on peut aussi penser à leur potentialité en termes de connaissance du risque, mais aussi pour la mise en œuvre du principe de précaution. Alors là aussi, une plateforme commune climat est un exemple topique. Donc créée par Météo France, la plateforme permet d'obtenir des projections d'évolution du climat à l'horizon 2050 sur chaque commune française. Donc, l'algorithme prédictif permet de prédire la température moyenne, les vagues de chaleur, de froid, les risques de feu ou encore l'élévation du niveau de la mer. Dès lors, réduisant l'incertitude des projections climatiques, les décideurs publics pourront prendre et adopter des mesures d'adaptation pour leur territoire. Donc, les potentialités de cet usage de l'algorithme prédictif par des plateformes sont immenses dans le domaine du droit de l'environnement. On pense ici tout particulièrement à l'assurance de dommages environnementaux, qui permettrait à l'assureur d'anticiper les catastrophes naturelles et de mieux déterminer leur coût. Mais aussi, l'algorithme prédictif pourrait servir à l'établissement d'un lien de causalité dans certains contentieux environnementaux, lien de causalité qui serait fondé sur une approche probabiliste et non plus déterministe de la causalité. Donc là, on pourrait revenir concernant les effets. Et aussi, cette utilisation de l'algorithme prédictif pourrait permettre de déterminer la contribution à la dette dans une situation de pluralité d'auteurs du dommage. Je pense notamment au contentieux climatique et à la pluralité des auteurs du dommage climatique. Ensuite, l'algorithme mobilisé, en plus d'être prédictif, peut être un algorithme de recommandation. Donc ici, la plateforme environnementale suggère sur son interface des informations spécifiques au destinataire ou bien hiérarchise les informations.
Donc l'algorithme en vient à façonner le choix des utilisateurs. Il peut alors avoir pour fonction de favoriser les comportements vertueux en matière environnementale. On peut envisager le recours à cette catégorie d'algorithmes dans une multitude de secteurs visant la réduction de consommation d'énergie, de choix de transport, en termes de réduction des déchets ou encore en termes de préférence d'achat ou d'investissement. Algorithme qui pourrait être utilisé pour choisir, par exemple, sa banque. Donc, cette comparaison-recommandation que permet l'algorithme aura certes une fonction économique, mais pourra aussi influencer les comportements des utilisateurs. Donc, cette utilisation des algorithmes de recommandation est déjà perceptible. Je citerai un exemple. Il y a la récente création de la plateforme Rapide, avec 2D, qui vise à créer une communauté d'achat public durable. Et donc cette plateforme a pour objet de réunir des ressources, des données et de recommander les achats socialement et économiquement et écologiquement responsables au sein des marchés publics notamment. Donc l'algorithme de recommandation devient alors, et ça c'est quelque chose qu'on pourra peut-être questionner ensuite, une norme incitative de comportement. Enfin, et j'en terminerai par là, l'algorithme utilisé par une plateforme peut être décisionnel. À cet endroit, il faut distinguer deux sous-catégories selon le degré d'intervention humaine dans ce processus. Un algorithme peut être d'aide à la décision. Donc là, une décision est prise par une personne et l'algorithme vient en amont identifier, classer et comparer les données. Mais l'algorithme peut être aussi un algorithme de prise de décision automatisée. Une décision sera alors prise par une personne humaine, mais qui se fondera exclusivement sur un traitement automatisé de la donnée. Alors, le droit de l'environnement a bien des égards, qui est un droit d'autorisation administrative environnementale, souvent décrié pour sa lenteur, pour sa lourdeur, gagnerait en efficacité et en rapidité si la technique algorithmique était ici mobilisée. Alors, sur ce point, il est difficile de voir si des plateformes en matière environnementale d'autorisation utilisent un algorithme décisionnel. C'est une information que j'ai pas pu obtenir. Les autorisations individuelles relatives, par exemple, aux installations ICPE, aux installations IOTA, mais aussi, par exemple, à l'agrément d'utilisation d'organismes génétiquement modifiés, pourraient être pris via un algorithme d'aide à la décision qui pourrait garantir une application uniforme de la réglementation, une meilleure donc, application de la réglementation, et pourrait prémunir d'erreurs commises par les agents de l'État. De plus, face à l'exploitation d'une explosion de l'information environnementale, il est parfois difficile pour une personne privée et ou publique de prendre connaissance de la totalité des informations. Et là, l'algorithme décisionnel permet un pré-traitement et une aide considérable de temps pour la personne humaine. Donc la décision environnementale serait, et là je vais employer le terme, serait prise en meilleure connaissance de cause et la rationalité de la décision en sortirait en quelque sorte renforcée. Dès lors, à côté de la raison juridique, connue du juriste, se fait jour une nouvelle raison scientifique fondée sur la puissance là, du nombre. Et ce qui nous conduit à envisager les effets que cette utilisation des plateformes numériques sur l'environnement pourrait avoir, mais sur ce point, je laisse la parole et on y reviendra peut-être au deuxième tour de la table ronde. Merci. Merci beaucoup, c'était passionnant et on a vu justement cette double casquette finalement de la plateforme. Soit on la voit comme une personne, comme une entreprise, comme un acteur, soit on aborde la plateforme de manière totalement dépersonnalisée comme étant un outil. Un simple outil, ce sont les deux aspects que vous avez évoqués. Puis c'est, dans le premier temps notamment, le fait que ce soit un relais, une interface entre les intérêts publics et les intérêts privés. Et on sent bien justement l'idée qu'on évoquait tout à l'heure de démocratie environnementale, démocratie participative, qui revient assez fréquemment. Alors ce qui permet justement, maintenant, dans le cadre particulier de la lutte climatique, eh bien de se tourner vers Christelle Cournil, qui va nous parler
des plateformes et des bases de données dans la lutte climatique, avec là aussi une interrogation, le numérique au service de la démocratie environnementale. Merci pour cette invitation et merci à la Cour de cassation de nous accueillir pour cette belle table ronde. Et comme Laura, je suis nouvelle dans cet axe sur les plateformes et les bases de données, et je remercie l'équipe de nous avoir fait plancher sur cette thématique. Et, alors, je ne sais pas si on voit le diaporama à l'écran. Voilà. Alors, effectivement, ça a été rappelé à l'instant dans l'introduction et dans l'intervention de Laura. Les plateformes, le numérique en général est aujourd'hui bien présent dans l'ensemble de nos secteurs de vie. On parle même de submersion. Je renvoie à l'ouvrage, dernier ouvrage de Bruno Patino qui nous évoque cette sensation d'être submergé par l'ensemble de ces données. C'est aussi un outil important, une technique, Mustapha, tu le rappelais à l'instant, une technique qui n'est pas neutre, qui est évidemment au service d'une économie de marché. Je m'apesantis pas trop là-dessus avec des ouvrages, notamment l'ouvrage Capitalisme de plateforme qui évoque ces enjeux. Laura Canadier aussi a évoqué ces acteurs, et notamment l'acteur État, l'acteur régulateur qui utilise ces plateformes. Cet état plateforme pour asseoir, développer un certain nombre de ces politiques publiques, informer, rapprocher le citoyen de ces politiques, contrôler parfois. Et sur ces questions climat, je renverrai très rapidement aux récents travaux de David Chaval-Arias qui a fait une étude sur le rôle de Twitter et dans l'émergence ou plutôt l'accentuation des thèmes et des climato-dénialistes, des climato-sceptiques qui aujourd'hui se développent sur les réseaux et particulièrement en France, et comment ces datas sont effectivement toxiques à l'égard évidemment de la production de connaissances scientifiques et in fine de la lutte climatique. Alors, je ne vais pas donc m'apesantir sur les effets négatifs, pour une fois. Je vais regarder le verre à moitié plein et essayer de voir effectivement comment ces bases de données, ces plateformes ont des usages multiples et renvoient à des opportunités assez intéressantes, en tout cas qui appellent à être creusées sur le plan de la démocratie environnementale, on le disait, et particulièrement la démocratie climatique. Alors, j'ai pris un échantillon assez large, j'ai entendu la plateforme, j'ai fait un petit peu comment dire, une analyse un peu large évidemment de l'outil pour vous montrer, il me semble, quelques tendances. Alors, les bases de données, évidemment, bases de données, on en parlait tout à l'heure, les bases de données qui répertorient un certain nombre de décisions de justice, mais aussi pas mal de registres en cherchant des registres de données, d'informations, de documentation climatique, des plateformes publiques, privées, collaboratives ou non, qui vont alimenter, je dirais, et c'est mon hypothèse, ma triple hypothèse, alimenter cette démocratie environnementale en il me semble, produisant quelques influences, d'abord sur la fabrique du droit climatique, et on pense de suite peut-être à la fameuse plateforme de la Convention citoyenne pour le climat, qui a permis évidemment à 50 citoyens, avec un cahier des charges bien défini par le président de la République, à proposer un certain nombre d'initiatives, mais c'était aussi la possibilité pour des citoyens de collaborer sur ce cahier des charges en alimentant un certain nombre de propositions sur cette plateforme. Un autre point important qui me semble nécessaire de souligner, c'est que ces plateformes, ces bases de données vont aussi participer à la réalisation, à la mise en œuvre de ce droit climatique. Quelques exemples, on l'a montré déjà sur le volet du droit environnemental en général, mais on va le voir aussi sur finalement le régime international du climat et aussi sur le contrôle, la mise en œuvre, l'efficacité, l'effectivité, ça a été dit dans l'introduction, de ce droit climatique. Alors, finalement, cette réflexion s'inscrit dans une réflexion un peu plus large qui a été développée dans une thèse, très belle thèse sur l'éco-citoyenneté de Julien Vrérard,
qui évoque ces instruments finalement numériques d'utilité collective hein, au service de cette éco-citoyenneté, de cette éco-démocratie numérique qui se construit. Mon intervention finalement ça se déclinera autour de ces trois piliers de la Convention d'Aarhus hein. Ça a été évoqué dans l'introduction et je commencerai finalement par questionner la plateforme au regard d'abord de l'information, de la transparence de l'effort climatique qui est aujourd'hui tant entendu par tous. Alors on se rend compte très vite que pas mal d'outils sur différentes échelles, souvent institutionnalisés dans le cadre des négociations internationales, dans le cadre des politiques climatiques de l'Union européenne, produisent un certain nombre de données qui permettent une sorte de transparence climatique sur l'effort. On va y venir. Et ces données, ces bases de données, ces plateformes correspondent et suivent finalement la gouvernance extrêmement complexe, multi-échelle, qualifié de transcalaire par Daniel Compagnon, et on voit une vraie similitude, un suivi de ces plateformes qui accompagnent cette gouvernance numérique environnementale. Et on voit finalement ces plateformes se loger sur les trois piliers de la lutte climatique, le pilier de l'atténuation, le pilier de l'adaptation au changement climatique, le pilier de la finance, évidemment. On va donner quelques exemples. Et puis le quatrième pilier, là, qui est en construction, celui des pertes et préjudices. J'ajouterai même celui de la science. Ça a été évoqué. Hein, quelques bases de données nombreuses ont permis de produire de l'information scientifique et servent aujourd'hui d'éléments probatoires, notamment dans certains contentieux. Alors d'abord, peut-être citer à travers une sorte de cartographie là que je vous propose quelques plateformes. Alors une plateforme d'information d'abord de la mise en œuvre du droit international du climat, deux illustrations, la plateforme de compensation carbone qui est une plateforme qui a été mise en place finalement pour appliquer et rendre possible la mise en œuvre d'un certain nombre de projets, des projets MDP, des projets de développement propre. Et grâce à laquelle un certain nombre d'États vont pouvoir permettre en tout cas d'échanger un certain nombre de projets vertueux. Alors ça reste à voir. D'autres plateformes ont été mises en place sous forme cette fois-ci plutôt de registres, donc des informations données notamment en direction des pays en développement pour qu'ils aient une espèce de guichet d'accès unique à la satisfaction de leurs mesures d'atténuation au niveau national. Et ce registre-là permet une efficacité, finalement, dans la mise en œuvre du pilier de l'atténuation. Autre illustration, on se rend compte qu'un certain nombre de plateformes vont essayer de partager des données dans un but précis, celui de réaliser des politiques publiques. Alors, au niveau international, par exemple, au sortir de la crise du Covid, une plateforme a été initiée, une plateforme interétatique par l'État japonais pour documenter un certain nombre de politiques publiques nationales qui ont été mises en place pour lancer un certain nombre de projets résilients sur le climat et sur la transition en général. Autre illustration, au niveau cette fois-ci européen, plateforme Climate Adapt, ça c'est typiquement l'illustration de comment une plateforme peut compenser l'absence de réglementation sur le volet de l'adaptation. Les politiques européennes ont largement sous-estimé ce pilier et à défaut de véritables instruments contraignants, juridiquement contraignants sur l'adaptation, la première étape de la stratégie d'adaptation au changement climatique a été de construire cette plateforme qui est assez intéressante pour notamment les acteurs locaux de terrain qui essaient d'initier un certain nombre de mesures concrètes sur leur territoire, de se faire référencer finalement et d'aller regarder par État quelles ont été les initiatives d'adaptation. Ça va de la végétalisation des toits en passant par des travaux sur des zones côtières. Autre plateforme avec un intérêt très important qui consiste à, pour le coup, identifier, documenter
grossir ce qu'on pourrait appeler le global reporting. Ce sont finalement une série de registres internationaux de données climatiques qui se sont, au fil de la diplomatie climatique et des COP, qui ont émergé pour réaliser finalement le droit international du climat et en particulier, évidemment, l'accord de Paris. Et donc, dans toute cette dynamique de mise en œuvre de l'accord de Paris, le post-Paris, on voit des registres qui ont été créés pour produire une image de l'effort individuel que produisent les États, effort indispensable à documenter pour, parce que c'est cet effort agrégé va produire une donnée globale, le fameux bilan mondial, tant entendu, qui est présenté actuellement aujourd'hui dès le premier jour de l'ouverture de la COP, et qui finalement permet de lancer la suite des négociations internationales du climat avec le fameux Global SocTech Information Portal, qui permet de rendre compte, inventorier et proposer alors à l'ensemble de la communauté internationale, des diplomates, mais aussi de tout le public, finalement, un certain nombre d'efforts individuels, mais surtout l'effort global. Je vous ai ici mis quelques illustrations. Il n'y a qu'à se balader sur le site de la CNUC, de la Convention cadre des Nations Unies et du secrétariat de la CNUC, pour finalement identifier toute une série de bases de données, de registres qui permettent de documenter de la data climatique, registre des communications sur l'adaptation, registre du Global SocTech ou des meilleures techniques disponibles en matière climatique et qui permettent là encore de faciliter, je dirais, la mise en œuvre technique de l'accord de Paris, évidemment, mais à bien avant finalement du protocole de Kyoto aussi. On voit également, à côté de cette série de registres et de bases de données institutionnalisées, essentiellement au plan international, européen, aussi le développement de bases de données que je qualifierais finalement de délocalisées. En effet, finalement, l'État plateforme ici a un rôle important à jouer. C'est lui qui met en œuvre la lutte climatique concrètement sur son territoire, même également dans les régions, puisque a été mis en place très, très dernièrement une plateforme dédiée à une COP régionale et toute une base de données qui en découle pour un territoire dédié. Et finalement, comme l'effort doit être réparti individuellement, la plateforme va là aussi documenter un certain nombre d'informations. Alors, toujours la même fonction, transparence, information, parfois même incitation à l'effort. On citera évidemment le travail du CITEPA et de sa base de données très importante qui permet de rendre compte des émissions de gaz à effet de serre de la France. Un certain nombre de données qui sont d'ailleurs accessibles par tous. Alors techniques, évidemment, il faut avoir un petit niveau technique pour les identifier et qui ont nourri les écritures, par exemple, de l'affaire du siècle, le procès climatique en inaction climatique menée en France. Un acteur très important aussi de cette délocalisation là, des plateformes, c'est par exemple l'Agence de la transition. Je vous mets ici quelques captures d'écran qui vous montrent quelques entrées de plateformes intéressantes. On voit l'ADEME qui produit de la plateforme, par exemple, pour capitaliser, agréger, rendre compte les bilans carbone des acteurs publics, des établissements publics, des collectivités territoriales, des acteurs privés. Et d'ailleurs, quand on creuse un petit peu ces bases de données, on se rend compte que les acteurs ne jouent pas tellement le jeu. Elles sont assez peu alimentées, hein, ces bases de données, et peuvent et pourront sans doute servir, lorsqu'elles seront étudiées en profondeur, un certain nombre de procès climatiques, c'est très certain. Là, nous avons vu donc un certain nombre de plateformes, je dirais, institutionnalisées et qui traduisent, mettent en œuvre le droit international du climat, mais on a aussi des acteurs privés, comme le disait Laura à l'instant, qui mettent en place un certain nombre de bases de données, de plateformes que je qualifierais de spontanées et qui ont une vocation très nette, qui est celle d'abord de capitaliser les données déjà initiées par les acteurs publics, les
organiser, les agréger et les augmenter au service du contrôle de l'effort climatique. Et là, je donnerai une illustration assez passionnante, celle de la géante base de données mondiale sur le droit climatique qui a été créée par, je vous ai mis ici, les financeurs, par les universités américaines, par la fondation FILE, qui finance aussi d'ailleurs un certain nombre de procès climatiques. Et cette base de données, elle a un but assez intéressant, c'est de créer finalement un outil de compilation, de visualisation d'un certain nombre de politiques climatiques menées partout dans le monde. Alors un outil même qui a été récemment augmenté par un petit mécanisme qui est le Climate Policy Radar, qui est un outil informatique qui permet d'aller plus loin dans l'analyse de texte, qui permet de fouiller dans toute une série de documents qui ont été agrégés dans cette base de données. Et grâce à l'interface ici que vous voyez, on peut aller chercher par mots-clés un certain nombre d'informations sur les risques, les secteurs des politiques climatiques, et cette base de données compile à la fois les politiques climatiques des États, la plupart des États du monde, mais aussi aspire un certain nombre de soumissions d'États qui ont été proposées dans le cadre du secrétariat de la CNUC. Donc c'est une base assez impressionnante qui va évidemment servir de source pour un tas de chercheurs qui travaillent sur notamment les politiques comparées en matière climatique, mais aussi pour la société civile qui utilise ces données et qui les détourne avec en retour de nouvelles plateformes, et je ne citerai que celle-ci, une plateforme créée par à la fois des ONG et des scientifiques qui propose d'utiliser ces données au service d'une, je dirais à la fois d'une cause, mais aussi d'une présentation de, par exemple, de nouvelles responsabilités d'acteurs privés, d'acteurs publics qui ne fournissent pas les efforts qu'on attend d'eux en termes de réduction de gaz à effet de serre, par exemple, et proposent, parfois avec des cartographies tout à fait intéressantes, les bons et les mauvais élèves dans cet effort climatique. Alors, vous l'avez compris, il y a un enjeu énorme autour de ces données climatiques, notamment des enjeux autour de la fiabilité de ces données qui sont mises en ligne sur ces plateformes, de la globalisation de ces données aussi, comment elles peuvent servir ou desservir la diplomatie climatique qui se fait en continu, mais aussi servir et desservir les acteurs privés qui sont embarqués dans cet effort de lutte climatique. Alors, Emmanuel Macron et l'envoyé spécial des Nations Unies pour l'ambition et les solutions climatiques, Michael Bloomberg, ont saisi ce challenge finalement de la donnée climatique et ont créé un comité directeur des données climatiques désormais avec une plateforme mondiale qui va avoir pour but d'alimenter, de réceptionner un certain nombre à la fois d'allégations, de données, d'acteurs économiques, des institutions financières, des villes, et essayer de clarifier, proposer une méthodologie et mettre aussi à disposition ces données qui doivent être de bonne qualité, comparables, fiables, pour qu'elles convergent vers des décisions politiques éclairées, je dirais. Alors ça, c'était, je dirais, tout l'aspect informatif, transparence. Deuxième aspect que je voulais aborder et qui me semble important, c'est le pilier de la participation du public. Alors sur les questions climatiques, notamment dans les sphères, dans la négociation internationale, dans la diplomatie climatique, les négociations sont extrêmement, évidemment, exclusivement statocentrées, théoriquement. On voit quand même depuis une quinzaine d'années l'ouverture à des acteurs non étatiques, qui sont associés au fil de l'eau dans les négociations climatiques, mais aussi dans la mise en œuvre du droit climatique. Et ces plateformes vont venir, je dirais, faciliter des dialogues d'acteurs qui sont exclus des négociations. Très concrètement, ça va être des
plateforme, par exemple, d'événements sur les conférences des parties. Je pense notamment au Climate Hub 360, qui permet à des négociateurs avertis, comme des membres de la société civile, des chargés de plaidoyer, des experts, des scientifiques, d'aller suivre en temps réel, finalement, les négociations climatiques et capter de l'information importante pour leur travaux. Une plateforme conversationnelle qui a été créée et qui permet de suivre en direct un certain nombre de négociations, comme si on était présent sur place. Et on voit que ces plateformes, elles ont pour but, évidemment, d'être inclusives, de proposer une participation parfois uniquement ponctuelle pour un événement, pour une diplomatie particulière à développer à un moment T dans une négociation. Je citerai deux exemples. Une plateforme numérique de négociation qui a été créée en plein post-confinement, lorsqu'il a été très difficile d'aller sur place à Glasgow, la plateforme dédiée aux négociations et a été très, très poussée pour faciliter justement le dialogue et la participation, l'inclusivité. Ou encore la plateforme de dialogue interactif de Talanoa, qui a été là à un moment clé avant que l'accord de Paris entre en vigueur pour faciliter un dialogue entre les États qui étaient dans la construction de leur contribution déterminée nationalement en 2018, avant qu'elle ne rende publique ses contributions nationales. Et cette plateforme a permis de mettre en commun un certain nombre de données pour accompagner les États. On a également des plateformes inclusives qui permettent une participation continue, et ça c'est gagné pour la suite des négociations internationales. Donc associer des acteurs non étatiques, je le disais à l'instant, mais des acteurs qui ont une place particulière, je pense notamment à des acteurs, des groupes de vulnérables. C'est le cas des peuples autochtones qui ont désormais leur plateforme qui a été lancée il y a peu et qui documente un certain nombre de connaissances diffusées, acquises par eux et qu'ils rendent compte publiquement. Et ça permet aussi à ces populations de participer concrètement aux échanges. Ou encore, ça l'a été dit tout à l'heure, la fameuse plateforme Nazca qui... là est le fruit de la négociation climatique et offre une cartographie intéressante où vous pouvez aller cliquer sur un pays en essayant de finalement d'avoir une vision assez claire de qui, quel type d'ONG, quel type d'acteur économique, quelle collectivité territoriale s'est engagée sur quelle action, et ça compile les actions pour le climat et donc d'une certaine façon propose de réaliser l'effort climatique et documenter l'effort climatique. Dernier pilier, c'est celui de la justice, de l'accès aux juges, et je parlerai ici de ces bases de données qui ont émergé de 2011, la première base de données qui a été créée, la base de données historique que les spécialistes de contentieux climatique adorent, évidemment, parce que c'est une source de documentation inouïe. Et ces bases de données proposent finalement une sorte de cartographie numérique de plus de 2000 affaires qui sont aujourd'hui compilées avec des documents, de nombreux documents par affaire qui sont mis à disposition de tous. Et alors c'est pas une plateforme numérique où il y a énormément d'interactivité, je dirais, d'algorithmes sophistiqués, pas du tout, on est plutôt sur une compilation de documents, mais il y a une collaboration d'acteurs, puisque un certain nombre de juristes dans de nombreux pays au monde, plus de 55 pays sont documentés, alimentent au fil de l'eau, une fois par mois, la base de données, avec finalement un effort de catégorisation, puisqu'une méthodologie a été définie pour alimenter cette base de données. D'ailleurs, on peut critiquer la façon dont c'est classé. On voit même que cette base de données a produit, je dirais, des petites bases de données, d'autres bases de données, puisqu'on assiste à une diversification des bases de données sur les contentieux climatiques.
voire à une sorte de décentralisation des bases de données, puisque on a désormais des bases de données, par exemple, pour un pays. Je pense à l'Australie qui a énormément de contentieux, qui ont de nombreux contentieux climatiques dans pas mal de secteurs, contre l'État, contre les entreprises, et qui a désormais sa base de données. La base de données argentine, les chercheurs, les collègues argentins, non contents de la base de données du Sabine Center Law qui ne référençait pas assez les affaires argentines, finalement ont créé leur base de données avec une méthodologie un petit peu différente, ou encore la base de données d'Amérique latine qui documente là une région avec un contentieux d'ailleurs sud assez passionnant. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur ces bases de données de la justice climatique? Alors d'abord, pour qui elle s'adresse? Finalement à un public assez large, c'est des ressources pour les praticiens, les avocats, les juges, les ONG, les juristes d'entreprise qui font des procès contre la réglementation qui les concerne ou qui subissent des procès et qui peuvent être amenés évidemment à consulter ces bases de données, les chercheurs. Avec Laura Canadi, on participe à un projet NR où on utilise évidemment énormément ces bases de données. On capitalise même les données pour aller faire des fouilles de texte et apprendre un certain nombre de choses très importantes, notamment sur des argumentaires. Donc, c'est des bases de données qui permettent de connaître un certain nombre d'informations, d'abord des secteurs impactés par ces procès, de comparer les secteurs selon les pays touchés par ces procès. Ça permet de mieux connaître aussi les raisonnements des juges. Il y a une logique de transparence certaine, puisque certaines ONG envoient très vite les écritures de leur procès. Donc on a à la fois le jugement, parfois les écritures du procès, l'amicus curiae, le communiqué de presse. Enfin, on a toute une série en fait d'informations qui sont assez utiles pour le chercheur, et ces informations dopent évidemment les usages militants du droit, puisque on constate que la plupart des procès climatiques, notamment après le célèbre arrêt Urgenda, on a assisté à un effet boule de neige de procès menés partout dans le monde, et des procès stratégiques ont été lancés. Et ces bases de données permettent d'identifier les lignes de crête portées par certains. Par exemple, des argumentaires droits de l'homme qu'on retrouve dans certains procès. On assiste à une sorte même de mimétisme judiciaire, hein, avec même des acteurs qui se coalisent, des acteurs du droit qui essaie dans le cadre d'un mouvement, je dirais, transnational de justice climatique qui alimente un certain nombre de ces procès. Donc ces bases de données, et ça a été dit aussi dans l'introduction, je pense qu'elles participent aussi à l'émergence d'une sorte de droit local, droit global, pardon, et ces bases de données, elles permettent aussi, d'une certaine façon, à mutualiser des expériences judiciaires qui, jusqu'avant finalement la création de ces bases de données, étaient assez isolées, et elles mettent en contexte, elles permettent d'analyser évidemment les échecs. Les échecs en disent beaucoup aussi sur les pistes et les fenêtres qu'on peut ouvrir sur d'autres contentieux. Donc à la fois les échecs et les victoires sont documentés, et ça c'est assez riche. Et enfin, le dialogue des juges, je pense que c'est quelque chose qui est éminemment présent. On voit de plus en plus dans les écritures, lorsqu'on les compare, dans les écritures des argumentaires, des procès, parfois même dans l'édition de justice, la référence à ces procès qui ont été publicisés dans ces plateformes contentieuses. Et je terminerai peut-être par une nouvelle génération de plateformes, une plateforme qui a à peine un mois, qui s'appelle la plateforme Redline, et qui, là, est dédiée aux contentieux contre les... sans doute les contre les carbones majeurs, mais surtout les contentieux qui concernent, en fait, l'extraction d'énergie fossile, et qui a une vocation très, très simple, hein, c'est la ligne rouge. Comment
porter du contentieux stratégique, compiler un certain nombre d'informations, à la fois scientifiques et aussi sur des argumentaires ou des décisions de justice qui pourraient être favorables ou qui pourraient être inspirantes pour d'autres contentieux. Merci, c'est extrêmement long. Je pense qu'à ce stade, plus personne ne doute justement du lien qui existe entre plateforme numérique et environnement, d'autant que, notamment sur la fin, les questions très techniques ont été du moins suggérées, même si elles peuvent être approfondies, mais pas ici parce que nous n'avons pas le temps. Mais on voit bien que ces plateformes vont avoir un rôle déterminant en matière probatoire, et on sait que c'est souvent ces problèmes probatoires qui sont des obstacles difficiles à surmonter. Et là, ils vont contribuer par une sorte de preuve établie hors procès à faciliter l'établissement d'un lien de causalité, l'établissement d'un manquement, le fait de ne pas rentrer dans un standard qui serait un standard de vigilance raisonnable, par exemple, établir le caractère prévisible ou imprévisible de certaines situations. Donc, on voit bien que sur des conditions classiques de la responsabilité, ces plateformes auront, en tout cas pour ceux qui vont préparer le contentieux, un rôle déterminant à jouer. Et puis, ça a été évoqué par toutes les deux, hein, mais toutes ces obligations, alors soit des obligations spéciales ou des devoirs spéciaux de vigilance qui sont mises à la charge des entreprises, ou un devoir général de vigilance qui pèse maintenant sur les acteurs privés et les acteurs publics. Et on voit bien combien ces plateformes contribuent à renforcer l'effectivité de ses devoirs et de ses obligations. Donc merci pour cette présentation, et nous arrivons à la troisième présentation, et ensuite nous aurons un temps pour les questions et peut-être des questions qui amèneront à la deuxième phase si personne ne se manifeste dans la salle ou à distance. Et nous allons maintenant aborder le troisième thème, si je retrouve l'intitulé de ce thème dans mes fiches qui sont totalement désordonnées. Ce n'est pas très grave. Je l'ai. Donc, Jennifer Bardi qui va maintenant intervenir. Et l'intitulé étant « Pour une approche de droit économique des enjeux environnementaux et des plateformes numériques ». Donc, là, c'est un autre aspect de la question, mais qui viendra compléter et qui complète, à mon sens, parfaitement ce qui a déjà été dit. Je vous laisse la parole. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci plus généralement aux organisateurs de ce cycle de conférences et à la Cour de cassation. Alors, pour tout vous dire, lorsque j'ai été invitée à m'interroger sur cette question des relations entre plateformes numériques et droits de l'environnement, je n'étais pas très fière puisque je n'avais encore jamais pris le temps d'approfondir les relations entre plateformes numériques et droits de l'environnement. Non pas parce que je doutais de l'intérêt de la question, bien au contraire, mais plutôt par manque de temps. Donc un sincère merci pour m'avoir donné l'opportunité d'approfondir ces réflexions. D'ailleurs, je souhaite d'ores et déjà souligner que je n'entends pas forcément apporter des réponses, mais plutôt soulever des questionnements et vous faire part des réflexions qui m'ont animée ces derniers mois à ce sujet. Donc très rapidement, pour commencer avec la question du droit de l'environnement, vous l'aurez compris, cela a été présenté en introduction. Le droit de l'environnement ne sera pas entendu dans une acception formelle, puisque nous le savons, dorénavant, les préoccupations environnementales débordent toutes les branches du droit. On ne les rencontre plus uniquement en droit de l'environnement au sein du Code de l'environnement. Donc lorsque j'évoquerai le droit de l'environnement, il s'agira du droit des préoccupations environnementales. Pour ce qui est des plateformes numériques, là encore, je ne souhaite pas m'attarder sur leur définition, puisque cela a déjà donné lieu à des propos à ce sujet. En revanche, je souhaiterais quand même souligner la difficulté qu'il y a toujours à définir la notion de plateforme numérique, même en s'appuyant sur des articles de recherche, des rapports. Alors notamment, pour ce travail de recherche, je me suis beaucoup appuyée sur des rapports du CIGREF. Le CIGREF est une association des grandes entreprises et administrations publiques françaises qui se donne pour mission de développer leur capacité à intégrer et maîtriser le numérique. Et quand on se rend sur la page internet du CIGREF, le ton est donné pour un numérique durable, responsable et de confiance, réussir le numérique. Donc on voit déjà les enjeux de durabilité qui sont intégrés par le CIGREF.
Alors, pour en revenir à cette difficulté de définition, dans un rapport de 2019, le CIGREF mentionnait effectivement que le terme plateforme est vague et que finalement plusieurs types de plateformes existent. Donc, il y a une diversité des plateformes. Et je voudrais aussi très rapidement donc, citer un article qui éclaire la notion qui désigne des infrastructures génériques susceptibles de remplir une pluralité de fonctions. Et on le verra, effectivement, elles occupent une pluralité de fonctions. Alors simplement, petit clin d'œil, puisqu'il semblerait que la notion soit apparue pour la première fois dans la littérature en sciences de gestion. Là, ce sera pour faire le lien avec la fin de ma présentation. Donc peut-être que pour l'instant, vous ne le saisissez pas, c'est normal. Mais je ne veux pas en dévoiler davantage parce que j'ai besoin d'amener mon propos, donc je préfère le faire par étapes. Alors, si vous préférez, dans le cadre de cette présentation, j'ai pu identifier trois points d'accroche entre les plateformes numériques et le droit de l'environnement. Le premier point d'accroche que je peux identifier est par du constat selon lequel nous sommes en présence de phénomènes qui se caractérisent par leur globalité et leur diversité. En matière environnementale, tout d'abord, nous le savons, les diagnostics s'effectuent à l'échelle planétaire. Et cela, notamment, on l'identifie parfaitement à travers un concept qui a été très démocratisé, que l'on connaît bien maintenant, et qui est inscrit au sein du Code de l'environnement, c'est le concept de limite planétaire. Ce concept est issu de travaux d'une équipe internationale de chercheurs de disciplines et spécialités environnementales différentes, le but étant d'identifier et quantifier les seuils au-delà desquels les équilibres naturels terrestres pourraient être déstabilisés et les conditions de vie devenir défavorables à l'humanité. En septembre 2023, la communauté scientifique nous alertait pour annoncer que 6 des 9 limites planétaires étaient franchies. C'est pour la dimension planétaire des phénomènes environnementaux. On sait aussi qu'ils se caractérisent par leur diversité, puisque sous le terme englobant d'environnement, il existe une importante diversité de phénomènes, des phénomènes étudiés, de la diversité des champs, qui reviennent d'ailleurs à travers le concept de limite planétaire. On s'intéresse à la biodiversité, aux questions de changement climatique, aux questions d'acidification des océans ou encore de changement d'usage des sols. Concernant les plateformes numériques, donc l'idée de diversité, elle ressort très, très facilement des tentatives de définition que l'on a pu aborder. On le sait aussi, les plateformes numériques agissent dans un espace virtuel dénué de frontières. Elles vont faciliter la mise en relation d'un grand nombre de personnes de manière instantanée. Elles contribuent à abolir les frontières. Elles contribuent également à permettre le développement de modèles économiques très, très différents. Donc je commence effectivement à faire le lien avec l'économie, puisqu'on évoque souvent l'économie du numérique. Et à ce titre, un rapport commandé par le ministère du Travail, un rapport de 2017 sur l'économie du numérique, qui tend à mettre en exergue deux principales catégories de plateformes numériques, si on tente de les classer au travers de ce champ de l'économie numérique. Donc, d'une part, le rapport évoque les plateformes de biens et de services marchands qui désignent des plateformes à but lucratif jouant un rôle de tiers actif entre offreurs et demandeurs d'un bien ou d'un service. De l'autre côté, sont identifiées au sein de ce même rapport les plateformes rattachées à l'économie du partage ou l'économie collaborative qui donc laissent la place à ces modèles économiques alternatifs qui renvoie donc à des modèles reposant sur le partage, la production d'actifs matériels ou immatériels dans des relations de pair à pair. Et le rapport souligne que la confiance, l'égalité des statuts, la coopération, les motivations non marchandes, l'usage responsable des ressources, y sont considérés comme des valeurs essentielles. C'est ce qui a permis, par exemple, de voir apparaître des plateformes permettant le covoiturage entre particuliers. Donc finalement, qu'il s'agisse de la première catégorie, ces plateformes de biens et services marchands, ou au contraire des plateformes qui permettent de mettre en valeur, de mettre les projecteurs sur des activités qui relèvent de l'économie, qu'on peut qualifier d'alternative, il est toujours question de manière sous-jacente du modèle économique. Et c'est ce qui me conduit, à mon sens, au deuxième point d'accroche que l'on peut identifier entre la question des plateformes numériques
et des considérations environnementales, c'est que dans les deux cas, nous avons toujours des enjeux économiques sous-jacents. Alors, pour revenir rapidement sur les plateformes numériques, donc ça ressort de ce rapport commandé par le ministère du Travail que je citais. Il y a eu d'ailleurs plusieurs rapports de manière générale sur l'économie du numérique. Donc il y a toujours cette question des modèles d'affaires, que l'on soit dans le cadre de plateformes qui viennent en appui à des activités marchandes classiques qui vont permettre d'accéder à de nouveaux marchés pour les acteurs économiques, ou que l'on soit en présence finalement d'activités qui relèvent davantage de l'économie sociale et solidaire. Il est toujours question de la recherche des modèles d'affaires. Donc incontestablement, on a cette dimension économique sous-jacente. Pour ce qui est des enjeux environnementaux, la dimension économique ressort du constat selon lequel ce sont les activités et rapports économiques qui sont principalement à l'origine des dégradations portées et causées à l'environnement. Qu'il s'agisse du changement climatique, qu'il s'agisse de la dégradation de la biodiversité, on constate effectivement que les rapports économiques, les activités économiques sont à l'origine de ces dégradations. Donc, dans le cadre de cette présentation, je m'appuierai sur une approche de droit économique au sens du droit qui entend régir, réglementer, coordonner les activités et rapports économiques. À cette fin, j'ai décidé de m'appuyer sur des textes, alors des textes récents, des textes rendus à l'échelle européenne, puisque je trouve que c'est une échelle d'observation intermédiaire plutôt intéressante. Pour ce qui est tout d'abord du numérique, deux textes emblématiques. Alors pardonnez-moi, il y a beaucoup d'acronymes. Donc le premier de ces textes, connu sous l'acronyme DMA, pour Digital Markets Act, ou Règlement sur les marchés numériques, est entré en application le 2 mai 2023. Il vise à mieux encadrer les activités économiques des plus grandes plateformes numériques. 22 plateformes sont concernées, elles appartiennent à 6 géants du numérique, Alphabet, Amazon, Apple, TikTok, Meta et Microsoft. L'autre texte européen que je souhaitais évoquer, côté plateforme numérique, est le DSA, ou Digital Services Act, soit le règlement sur les services numériques, entré en application le 25 août 2023, qui fixe un ensemble de règles pour responsabiliser les acteurs du numérique, lutter contre la diffusion de contenus illicites ou préjudiciables. Ce texte entend renforcer la surveillance des plus grandes plateformes et atténuer leurs risques systémiques, sur lesquels nous reviendrons. Derrière ces deux textes, également, il faut bien avoir à l'esprit qu'il y a des enjeux concurrentiels. Et derrière ces deux textes, clairement, l'Union européenne cherche à lutter contre un modèle économique en pleine expansion, donc j'évoquais notamment ces grands géants du numérique, pour aider, sur un plan concurrentiel aussi, les acteurs européens à pouvoir s'imposer sur les marchés du numérique. Donc il y a cette dimension concurrentielle assez forte derrière ces deux textes en matière de numérique. De l'autre côté, pour la dimension davantage environnementale, l'autre texte sur lequel je souhaite m'appuyer est la directive CSRD, encore un acronyme, pour Corporate Sustainability Reporting Directive, soit le reporting ou rapportage en matière de durabilité. Donc depuis longtemps, les acteurs économiques sont effectivement soumis à des obligations de rapportage en matière extra-financière. Alors cette directive du 14 décembre 2022 s'inscrit dans le cadre du Pacte vert européen. On voit très clairement le vocabulaire de la durabilité en train qui émerge incontestablement à l'échelle de l'Union européenne. Donc derrière ce texte, pour le dire simplement, on voit ici la promotion, en tout cas je l'identifie de la sorte, la promotion d'un modèle d'entreprise qui est ici poussé par l'Union européenne à travers la directive CSRD. Elle attend des acteurs qu'ils soient capables d'intégrer certaines valeurs. Donc si on prend un petit peu de recul, donc nous avons deux textes en matière du numérique très récents, nous avons également un texte récent en matière environnementale puisqu'il touche aux enjeux de durabilité pour les acteurs économiques. Qu'il s'agisse de lutter contre des géants du numérique ou bien de promouvoir un modèle d'entreprise, on peut penser qu'in fine, l'objectif politique de l'Union européenne est le même, à savoir promouvoir certaines valeurs. Alors cette promotion des valeurs, on peut également les voir à travers le règlement DSA sur les services numériques.
puisque l'objectif, clairement, est de permettre de rendre illégal en ligne ce qui est illégal dans le monde réel. Donc on voit ces promotions de valeurs assez fortes. Néanmoins, l'observation du système juridique, quelle que soit l'échelle d'observation, nous laisse souvent penser que les réglementations sont construites en silo. En dépit de ce pacte vert européen qui semble donner une direction à la réglementation européenne, les réglementations sont pensées en silo. Et donc c'est ce qui a alimenté mes réflexions sur les réglementations construites en matière de numérique ou en matière d'enjeux de durabilité pour les acteurs économiques. Et à y réfléchir, on peut se dire, en tout cas c'est comme ça que j'ai décidé de prendre la question, que finalement il n'y avait rien de surprenant à penser certains phénomènes en silo. Alors je m'en explique un petit peu en essayant d'approfondir. Pour ce qui est du numérique tout d'abord, le numérique, l'objectif semble de pousser une freinée, un développement effréné qui permet de voir apparaître certains risques. On évoque ces géants du numérique, donc on l'a vu, c'est ce que j'évoquais précédemment, à travers ces règlements européens, des risques notamment d'ordre concurrentiel pour les acteurs européens, des risques aussi de diffusion de contenus illégaux, préjudiciables. Donc, il y a cette volonté de freiner une certaine poussée. Alors, si on s'appuie sur la littérature, c'est-à-dire notamment sur la doctrine qui examine les questions du numérique depuis plus longtemps que moi, en tout cas, alors je me suis appuyée notamment sur un ouvrage paru très récemment aux éditions Dalloz, un ouvrage écrit par Arnaud Latil concernant le droit du numérique, une approche par les risques. Et la démonstration qui est faite dans cet ouvrage, c'est qu'effectivement, le droit du numérique développe une approche par les risques. Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de parallèles sont faits avec les risques environnementaux. Et il est vrai qu'historiquement, le droit de l'environnement est un droit des risques environnementaux. On a souhaité appréhender les risques, les nuisances qui pouvaient résulter de l'exercice de certaines activités économiques. Des activités économiques qui étaient susceptibles de générer des risques environnementaux pour les riverains, pour l'environnement. Donc c'est ce qu'on appelait initialement le droit des pollutions et des nuisances, et on peut penser assez spontanément à la réglementation ICPE concernant les installations classées pour la protection de l'environnement. Donc il est vrai qu'en matière environnementale, on a aussi eu cette approche par les risques. Alors, pour autant, le droit positif n'a jamais été aussi ambitieux en matière environnementale, quelle que soit l'échelle d'observation. Qu'il s'agisse de l'échelle internationale, européenne ou encore nationale, le droit positif regorge de textes avec des objectifs en matière environnementale. Et dans le même temps, les constats de la communauté scientifique sont toujours de plus en plus alarmants. Donc on peut penser au rapport du GIEC, au rapport de l'IPBES. Donc c'est vrai qu'en matière écologique, c'est toujours assez inquiétant. Et donc on se demande si cette approche par les risques est toujours suffisante en matière environnementale. Et il semble que non. Et lorsque l'on examine effectivement la littérature académique, on voit qu'à côté de la culture du risque, alors cette culture de gestion, donc des risques environnementaux, qui induit aussi une certaine volonté de maîtrise de la nature par l'homme, se développe progressivement une culture du soin, une culture du care en anglais, qui introduit une nouvelle manière de penser notre rapport à l'environnement, donc de dépasser une approche par les risques environnementaux pour entrer dans la conscience d'une appartenance au vivant. Et à mon sens, le texte européen que j'évoquais précédemment, la directive CSRD sur le rapportage en matière de durabilité, elle traduit ce changement de logique, ce changement de paradigme progressif dans le cadre de la prise en considération des risques environnementaux. Donc je vais essayer de m'en expliquer. Le concept phare de cette directive européenne, c'est le concept de double importance ou double matérialité, qui signifie finalement quelles sont les informations qui sont pertinentes pour les acteurs économiques en matière de durabilité. Alors, il y a cette notion de double importance. Il y a tout d'abord une première importance, une première chose importante, c'est ce qu'on appelle la matérialité financière. Alors, la matérialité financière nous place dans une approche plutôt classique des rapports de l'entreprise à l'environnement.
Pour le dire simplement, dans le cadre de la matérialité financière, les acteurs économiques sont, et c'était déjà le cas, invités à observer les incidences financières de l'intégration des enjeux de durabilité. Qu'est-ce que ça leur coûte financièrement? Comment ils les intègrent avec ce filtre financier? Mais la directive européenne décide d'aller plus loin, et ça c'est la voie qui est portée par l'Union européenne, qui décide d'aller plus loin, en ajoutant à cette matérialité strictement financière une matérialité socio-environnementale. Et c'est cette matérialité socio-environnementale qui est assez novatrice, puisqu'elle va inviter l'entreprise à rechercher les informations nécessaires à la compréhension de l'incidence des activités de l'entreprise sur tout ce qui l'environne. Donc là, clairement, on a une entreprise qui s'inscrit dans un milieu et on lui demande d'observer les interrelations avec ce milieu. Donc d'être capable d'avoir une analyse croisée, voir finalement l'intégration de ces enjeux de durabilité, ce que ça occasionne pour l'entreprise, ça c'est le filtre classique, mais aussi voir que l'entreprise a elle-même des incidences sur le territoire dans lequel elle s'inscrit, le milieu dans lequel elle s'inscrit. Donc finalement, à travers les informations diffusées par les acteurs économiques au sein de leur rapport de gestion, on ne se contente plus d'une approche par les risques, on les invite à travailler sur l'origine des risques en développant une approche en termes d'impact. Quels sont les impacts de l'activité des acteurs économiques sur le milieu, les territoires au sein desquels ils s'inscrivent? Alors cette réflexion, je me suis demandé s'il était judicieux de la transposer en matière de réglementation du numérique quand on cherche à appréhender les plateformes numériques, et s'il y avait des éléments qui nous permettaient justement d'identifier en matière de numérique une vision qui serait un peu plus complexe, un peu plus complète, une vision systémique faite d'interrelations qui dépasserait cette simple approche par les risques. Alors à cette fin, j'ai interrogé des collègues qui réfléchissent sur les questions du numérique, encore une fois depuis plus longtemps que moi, et la première réaction qui a pu se dégager pour certains d'entre eux est une réaction de scepticisme qui peut parfaitement se comprendre et qui est de dire finalement que le législateur a vocation à intervenir pour réguler des risques, mais qu'il n'aurait pas vocation à intervenir pour des effets positifs corrélatifs. Et effectivement, on parle souvent de l'inflation législative, l'inflation des textes, donc les choses qui vont bien, pourquoi y aurait-il lieu d'intervenir? Le législateur aurait donc cette vocation à intervenir davantage pour réguler des risques. Alors pour autant, il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin dans le sens où je pense véritablement que ce texte, qui est la directive CSRD, introduit un changement de paradigme, ce changement de paradigme que tant d'auteurs appellent de leur vœu pour initier les changements en matière environnementale. En quoi cette directive introduit ce changement de paradigme? Eh bien, c'est tout simplement parce que elle invite à un dépassement. Alors, il y a toujours cette approche en termes de risque, indiscutablement. Donc ça, c'est un élément important, un paramètre important pour l'entreprise. Mais on va plus loin que les risques, puisqu'un risque, par nature, comporte un aléa. Il est donc susceptible de se réaliser comme ne pas se réaliser. L'entreprise demeure active, puisqu'elle est dans une stratégie qui consiste à anticiper ces risques. Avec CSRD et la double matérialité, on va bien plus loin, puisqu'on invite l'entreprise, les acteurs économiques, à s'interroger sur leurs pratiques concrètes au quotidien. Quelles sont leurs relations? Comment ça peut impacter les communautés avec lesquelles ils travaillent, l'environnement dans ces différents champs? Donc, à mon sens, c'est ce qui est vraiment intéressant avec ce texte, c'est qu'on a un questionnement sur concrètement comment l'entreprise peut agir et se remettre en question. Et c'est ça, finalement, une remise en question véritable de l'entreprise. Donc, on est dans cette dynamique un petit peu plus complexe. Et là, j'en reviens. Désolée, la démonstration est un petit peu longue, mais c'est pour démontrer un petit peu le cheminement intellectuel qui a été le mien sur ces questions. Pour transposer au droit du numérique, alors effectivement, le droit positif, le droit dur du numérique ne semble pas encore parvenu à ce degré de maturité. Et le droit positif du numérique semble s'en tenir à une approche par les risques, ce qui rendait ce travail aujourd'hui assez délicat.
Alors, en revanche, lorsque nous observons la pratique, il y a, à mon sens, des signes encourageants. Donc là, on va être dans l'ordre du droit souple ou du droit mou. Nous avons des rapports, des pratiques qui semblent permettre d'apercevoir une approche un peu plus complexe et une approche un petit peu plus complète. Alors, en ce sens, je voudrais tout d'abord évoquer la Coalition européenne pour le numérique vert. Il s'agit d'un groupe d'entreprises engagées à soutenir la transformation écologique et numérique de l'Union européenne. Des PDG des entreprises des technologies de l'information et de la communication ont ainsi signé une déclaration visant à soutenir la transformation écologique et numérique de l'Union européenne. À mon sens, une forme de complexité ressort de ce consortium, de cette coalition européenne, puisqu'on voit qu'en pratique, les acteurs s'emparent de ces enjeux de manière un petit peu plus complexe. Ils ne voient pas que les risques suscités par les plateformes, ils voient aussi tous les enjeux du numérique. Les instances européennes elles-mêmes, puisque le Conseil de l'Union européenne reconnaissait dans un communiqué de presse du 17 décembre 2020 le double défi sociétal que constitue la transformation numérique et la transition écologique. Donc on voit tout le potentiel aussi. Et l'idée d'une prise en considération un petit peu plus complexe des enjeux. Alors, pour continuer sur ce droit plus souple du numérique, j'évoquais le CIGREF tout à l'heure, et nous avons donc deux rapports qui me semblent assez intéressants sur la question. Alors, le premier rapport date de juin 2023. Il s'intitule « La performance de la DSI financière, mais pas seulement ». Le second rapport s'intitule « Auditer la gouvernance du numérique ». Il est très récent, il date de novembre 2023. Alors pourquoi évoquer ces rapports ? Eh bien tout simplement parce qu'en les parcourant, on s'aperçoit que très clairement, dans ce qui est de l'ordre de la recommandation, donc ce que j'appelle comme le droit souple du numérique, on va s'appuyer sur les acteurs économiques. Et les instances s'appuient sur les acteurs économiques pour guider un petit peu leur pratique. Alors même dans le droit dur du numérique en réalité, puisqu'il s'agisse du DMA ou du DSA, pour citer les règlements européens que j'évoquais précédemment, on voit qu'ils reposent également sur les acteurs économiques. Et c'est assez intéressant puisque finalement, je me dis avec le recul, que ce soit à travers le prisme de CSRD ou des règlements européens en matière de numérique, j'ai le sentiment que ce que ne parvient pas véritablement à faire le législateur, c'est-à-dire proposer un texte avec une vision transversale des enjeux, ce sont les acteurs économiques que l'on charge d'être capables de répondre à ces enjeux de manière transversale. On s'appuie sur eux en leur disant, voilà, vous allez devoir développer une gouvernance. Alors, ça signifie quoi, la gouvernance ? Eh bien, c'est-à-dire qu'en interne, au sein même des acteurs économiques, au sein de l'entreprise, il va falloir arbitrer entre des enjeux divers, impliquer une communication entre les services. Donc là, par exemple, une communication entre la direction des systèmes d'information et les directions financières. Et à ce titre, ce qui est assez intéressant, c'est que le rapport de juin 2023 concernant la performance de la DSI a été élaboré donc par le CIGREF en collaboration avec la DFCG, qui est l'Association nationale des directeurs financiers et de contrôle de gestion. Alors, pour suivre depuis plusieurs années les questions de rapportage extra-financier et plus généralement les questions de normalisation comptable, j'ai le sentiment, en tout cas c'est une question que j'ai, qui est de me dire finalement, est-ce que tout ce qui a parcouru la littérature en matière de rapportage extra-financier, qu'on appelle aujourd'hui le rapportage en matière de durabilité, ce n'est pas ce qui attend les réflexions dans le domaine, dans le champ du numérique. Puisqu'on voit effectivement qu'il y a des enjeux en termes de référentiel, développer des référentiels harmonisés. Et c'était aussi l'objectif premier de la directive CSRD, que les acteurs économiques cessent de diffuser des données selon leur propre référentiel, mais répondent à un référentiel commun. C'était l'ambition première de ce texte européen. Et j'ai le sentiment, en parcourant ces rapports, en parcourant la littérature, que le même mouvement est en train de traverser le champ du numérique. Des enjeux aussi autour de la donnée. Quelles sont les données pertinentes pour les acteurs économiques ? L'enjeu aussi du contrôle des données diffusées.
par les acteurs économiques, c'est-à-dire le contrôle de ces données, l'auditabilité de ces données, pour faire le lien aussi avec des rapports qui ont pu être produits sur la question. Donc, pour amener les choses progressivement, c'était mon troisième point d'accroche, finalement. J'ai essayé de l'amener de la manière la plus claire qui soit, j'espère que j'y suis parvenue. C'est le lien avec la comptabilité, puisque la comptabilité, c'est la grammaire des acteurs économiques. Et là, clairement, on leur demande de prendre en considération dans leur grammaire interne à la fois les enjeux de durabilité, mais également les enjeux liés aux questions du numérique. Donc, la question est de savoir comment vont-ils s'en emparer en interne. En matière de durabilité, on a cet arsenal à l'échelle de l'Union européenne qui se développe et qui devient du droit dur. Dans le champ du numérique, j'ai l'impression que c'est encore quelque chose de très souple. Mais vraisemblablement, les mêmes questionnements, les parcours. Et je voudrais aussi, je ne sais pas s'il me reste encore beaucoup de temps, je vais terminer, vraiment, je vais être très rapide, pour dire aussi que dans ce troisième point, lorsque j'évoque la comptabilité, je ne parle pas de la comptabilité vue d'en haut, au sens du droit comptable qui s'impose aux acteurs économiques sur leur manière de comptabiliser. J'évoque la comptabilité comme un outil de gestion, de fonctionnement interne aux acteurs économiques. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance à l'oublier. La comptabilité, avant d'être la comptabilité normalisée qui s'impose aux acteurs, c'est aussi un outil de pilotage en interne et d'aide à la décision. Et je pense que la comptabilité pourrait permettre justement de développer cette grammaire commune et de relier les enjeux du numérique et les enjeux environnementaux. Voilà. Merci. C'est particulièrement intéressant parce que là, votre démarche a été finalement de fusionner les deux et de voir quels étaient les points communs entre ces deux écosystèmes que sont l'environnement et l'entreprise. Et ça rappelle toutes ces réflexions sur... Alors, je ne vais pas rentrer dans les débats trop longs sur le sujet, mais la question de la compliance, finalement, parce que tout ce qu'on retrouve dans le numérique ou l'environnement, c'est d'abord un acteur central qui est l'entreprise, puisque c'est à lui qu'on va faire... C'est sur lui ou sur elle, l'entreprise, que l'on va faire porter la charge d'un certain nombre de devoirs, de vigilance, de transparence et autres. Et puis raisonner en termes de risques, risques qu'il faut prévenir, risques qu'il faut gérer, canaliser, identifier, cartographier. Donc on est absolument dans une logique de compliance. Et donc si Marianne Frison-Roche était là, elle serait beaucoup plus longue que moi. Mais je laisserai à un autre colloque le soin d'approfondir ces questions. Merci en tout cas pour ce parallèle. Je pense que je vais poser une question commune aux trois intervenantes et qui va permettre de compléter leur intervention et donc vous disposez chacune de 5 minutes. Vous nous avez présenté un état des lieux qui est assez optimiste la plupart du temps. Les plateformes remplissent diverses fonctions très intéressantes, aussi bien sur le plan juridique que sur le plan économique, pédagogique, stratégique et autres. Donc tout ça est très satisfaisant, mais est-ce qu'il n'y a pas des faiblesses? Est-ce qu'il n'y a pas des effets pervers? Est-ce qu'il n'y a pas des insuffisances? Pourriez-vous proposer des remèdes ou des compléments? Est-ce qu'il faudrait aller plus loin? Est-ce qu'il faudrait stopper certaines plateformes dont les effets négatifs sont plus importants que les effets positifs? Enfin, voilà, une approche plus prospective, plus critique peut-être, de vos différentes interventions, et on va reprendre le même ordre, et donc je vous donne la parole. Alors, en 5 minutes, sur les effets, cette fois-ci, perfectible de l'utilisation des plateformes numériques en matière environnementale. 2 points, je serai brève, ça nécessiterait de beaucoup plus développer. J'ai parlé, et Christelle aussi, évoqué cet aspect de participation que les plateformes servaient à un droit de l'environnement, du climat, peut-être mieux, plus délibéré, par un plus grand nombre de personnes, qui permet à une participation plus active. Bon, ça va être très bien. Ça paraît très bien. Je pense que affirmer ça nécessiterait quand même de nuancer le propos, notamment avec un travail de sociologie, de recherche, d'enquête, pour voir vraiment si c'est... En fait, je pense que ces conclusions, en tout cas ce postulat, doivent être confrontées avec la réalité. Certains auteurs, alors pas sur ces questions environnement et plateforme, ont quand même noté le mirage du clic. Est-ce que effectivement, en étant sur une plateforme, on peut être considéré comme vraiment engagé politiquement? Est-ce que c'est vraiment...
Est-ce que ces plateformes vont avoir des lieux de clics de soutien très fugaces, très rapides, ou alors que ça va vraiment permettre des délibérations et des discussions sur l'élaboration des normes? Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose à bien prendre en compte. Et aussi, donc, cette participation, ce phénomène qui pourrait peut-être être paradoxal d'inclusion-exclusion, c'est-à-dire qu'il y aura aussi tout un pan de la population qui n'irait pas sur des plateformes numériques et donc qui serait exclu aussi de cette délibération, de cette participation et de cet enrichissement supposé de la norme environnementale. Donc là, je pense que si ça doit se développer, comme j'ai dit, il y a quand même pas mal de plateformes hein, au niveau des communes notamment qui utilisent ce médium-là, de la plateforme numérique, il faudrait, je pense, travailler avec là des sociologues qui feraient plutôt des terrains et des enquêtes sur ces pratiques. Et deuxièmement, les effets perfectibles, on pourrait y passer aussi beaucoup de temps, je pense là notamment alors à cette matière qui m'a beaucoup intéressée, du contentieux, notamment du contentieux climatique, et le recours à l'algorithme décisionnel. Via une plateforme, le juge pourrait avoir donc une plateforme qui le conseillerait, qui l'aiderait à choisir et à juger. Donc, et là, alors ça peut être très intéressant, on l'a dit, pour démontrer le lien de causalité, etc. Très bien. Mais utiliser une plateforme avec un algorithme prédictif, c'est aussi potentiellement réduire la part du juge et de cet acte de volonté qu'il peut faire. Et là, un point. Il y aurait plein de choses à évoquer au contentieux, que ce soit dans la phase d'action, d'instance, du jugement, de l'exécution même. Mais sur cette question probatoire, j'ai réfléchi pour cette table ronde sur l'utilisation des présomptions de causalité. Si le juge a à sa disposition des logiciels prédictifs via des plateformes, quelle place sera réservée à des présomptions de causalité qui, bien que se basant parfois sur des probabilités, sont aussi un acte de volonté où le juge se départit d'une vérité, d'une causalité scientifique qui est pour le coup incertaine et qui va imposer une vérité juridictionnelle en disant il y a des présomptions, donc certes graves, précises et concordantes, mais je pose un acte de volonté et là j'admets une causalité. Et là, voilà, ça serait aussi un risque, un effet néfaste pour la vitalité de la jurisprudence, et particulièrement en matière de santé et d'environnement. Voilà, pour être courte, et je laisse la parole aux autres intervenantes. Merci. Merci. Donc oui, le risque de manipulation, évidemment, et puis l'électronisme que vous évoquiez, dont il faut tenir compte. Christelle. Oui, alors je rejoins tout à fait Laura sur cette critique de fond et effectivement d'un accès au numérique, mais j'irai même encore plus loin. Je pense qu'il y a évidemment aussi le rôle d'un État qui n'est pas assez fort sur de la régulation et qui utilise la plateforme numérique pour embarquer l'acteur privé. Je donnerai qu'un exemple, c'est l'article 7 de la loi climat-résilience qui proposait aux acteurs économiques d'aller créer des contrats climat et de mentionner dans ces contrats climat des aménagements, des réductions, de communications commerciales qui ont des effets négatifs sur l'environnement. Et le premier rapport qui a été rendu par l'ARCOM montre qu'il y a en gros 141 acteurs qui ont prévu ce contrat, 18% d'entreprises qui devaient être assujetties, qui ont seulement prévu ce contrat climat, et 30% des contrats ne mentionnent pas des réductions de gaz à effet de communication commerciale négative sur l'environnement. Donc là, on a un outil qui montre une opération, un miroir grossissant d'une opération de greenwashing aussi, hein, parce que c'est l'illusion de l'action des acteurs privés en réalité, puisqu'on n'est pas capable de proposer des mesures qui les embarquent véritablement. Et s'il n'y a pas derrière une société civile forte, des chiennes de garde, hein, comme dit la Cour européenne des droits de l'homme, qui surveille cette information, pour le coup, passive sur ces bases de données, sur ces plateformes, si elle n'est pas contrôlée par des benchmarks, par des plaidoyers qui débunkent d'une certaine façon ces communications ou ce manque de communication, on rate la cible de l'effort climatique. Et là, je pense que c'est un vrai travers.
Et sur les bases de données qui compilent la justice climatique, je pense qu'il faut les voir comme un outil facilitateur. Je crois que tu as très bien montré dans ta thèse que le procès climatique, c'est un procès complexe, coûteux, qui nécessite une forte professionnalisation, qui nécessite de choisir des victimes sur mesure. Ça semble difficile quand même de penser que ces bases de données vont révolutionner totalement, évidemment, les procès climat. Mais elles participent, je pense, surtout à la phase de montage, à l'alimentation au fil de l'eau du contentieux. Elles amènent des éléments probatoires, incontestablement sur l'argumentaire juridique. Voilà, alors je voulais juste vous montrer peut-être une, si on peut montrer le transparent, mais c'est pas très très grave, peut-être des pistes intéressantes qui peuvent être suggérées ou en tout cas qui émergent là sur ces bases de données qui permettent peut-être d'aider à financer les procès. Hein. Pour le coup, on est dans une logique d'accélération des contentieux environnementaux et on a vu que des bases de données ont, dans une dimension prospective, se sont développées dans d'autres pays en compilant, en collectant un certain nombre de l'argent pour aller lancer les contentieux. Donc ça, c'est une piste, développer de la plateforme pour aider au financement et puis des plateformes qui vont aider à coaliser des victimes. J'ai pas eu le temps d'en parler, j'avais prévu une diapo là-dessus, mais on pourra y revenir sur les questions. Il y a une première initiative comme ça sur l'affaire du chlordécone, hein, avec SmartCab, qui a coalisé des victimes, proposé une demande de réparation commune sur une action conjointe. Et puis je sens venir aussi des plateformes qui peut-être vont dans une dimension un peu plus prospective dans ce que tu évoquais, Laura, c'est essayer de coaliser les victimes autour d'un grand enjeu, par exemple de santé environnementale. La victime environnementale est en train d'émerger progressivement devant le juge administratif, devant la Cour européenne des droits de l'homme peut-être, sur les questions des PFAS, des pesticides, où on voit des ONG qui commencent à appeler des populations concernées, soit par des instituts citoyens, et peut-être aussi par ces futures plateformes qui pourraient commencer à créer un socle de victimes de masse. Et puis, comme il y a des débuts de procès sur le plan pénal aussi, ces plateformes pourraient aussi nourrir, que sais-je, avec une réforme de l'action de groupe, des plateformes de victimes qui serviraient le procès dans une approche fiction. Très bien, merci. Et puis, dernière intervention. Jennifer, il n'y aura pas de questions, d'autres questions, parce que malheureusement, nous sommes pris par le temps. Mais Jennifer, 4 minutes. Merci, je vais être très rapide. Je vais être très rapide dans cette dimension prospective. Alors, la première est plutôt positive en réalité. Alors, je vais commencer par la dimension négative et après, je serai un peu plus positive pour cette approche prospective dans une dimension critique négative. Je dirais attention, alors Laura évoquait tout à l'heure les algorithmes. On est effectivement là dans un champ assez technique et ça me fait penser aux enjeux qui ont pu traverser et qui traversent encore les processus de normalisation comptable. On a le sentiment parfois un peu de boîte noire, donc attention comment est fait la norme, par qui est fait la norme, que ce ne soit pas juste une question d'expert, il y a des enjeux démocratiques assez forts, donc le point d'alerte il serait sous cet angle. Sinon pour le reste, je serais plutôt positive, puisque la question que je me suis posée dans cette partie prospective, c'est finalement comment, face au défi de la transition écologique, les plateformes numériques pourraient aider les acteurs économiques pour rester dans la thématique économique. Et là, il me semble que c'est assez intéressant puisqu'on a beaucoup d'enjeux en matière environnementale qui sont posés, des diagnostics à l'échelle planétaire, alors des fois à des échelles régionales comme l'Union européenne ou nationales comme la France. Mais pour que les acteurs économiques aient la volonté d'initier un changement, encore faut-il qu'ils sentent qu'ils ont la capacité d'agir à leur échelle. Et j'ai le sentiment qu'on a tout un tas de plateformes qui vont permettre justement aux acteurs économiques de se saisir de ces enjeux à leur échelle, donc ramener du global au local.
Et ça, c'est assez intéressant. Et d'ailleurs, la CSRD, elle évoque le numérique non pas comme une source d'impact potentiel, mais comme un support à utiliser pour la communication des données entre acteurs et aussi à l'égard des administrations publiques. Et il va y avoir tout un enjeu à l'échelle du partage de la donnée et par secteur d'activité du fait de la directive CSRD. Donc, il y a quelque chose d'assez fort. Et à cette occasion, donc, dans les recherches, j'ai d'ailleurs trouvé un programme Engagement volontaire pour l'environnement de 2018, mis en place par le ministère de la Transition écologique et l'ADEME. Il a créé à cette fin une plateforme d'échange de données en matière environnementale et énergétique pour le seul secteur du transport. Et en 2022, on avait plus de 2700 entreprises françaises qui y participaient. Donc on a des données environnementales échangées entre acteurs économiques d'un même secteur. Et je pense qu'avec la CSRD, on va avoir besoin de la multiplication de ces outils entre acteurs privés, mais aussi entre acteurs publics et privés, autour du partage de la donnée. Et aussi, donc ce sera mon dernier point pour être vraiment brève, j'ai commencé à chercher et à m'interroger sur ces questionnements avec la crainte de me dire, voilà, on parle toujours de risque systémique avec les plateformes numériques, une réplication à grande échelle. Est-ce que ça ne pourrait pas être aussi une crainte de voir des solutions juridiques se répliquer à grande échelle au mépris de la diversité des cultures juridiques? Il me semble que non, parce que je pense qu'en matière environnementale, on a besoin de promouvoir des modèles alternatifs et il y a des plateformes qui permettent de mettre en lumière, sous le feu des projecteurs, des entrepreneurs à impact positif, et je pense que les acteurs économiques en ont plus que jamais besoin, donc c'est plutôt une note d'espoir. Merci beaucoup à toutes les trois d'avoir relevé ce défi à la fois numérique et environnemental. Le sujet n'était pas facile et franchement c'était passionnant. En tout cas moi, j'ai trouvé ça intéressant. C'est déjà une première étape. Et nous avons en plus respecté le timing. 18h pile. Je vous remercie pour ceux qui sont dans la salle d'avoir été présents. Et puis, je remercie encore les deux autres co-organisateurs, Bernard Raftel et Nathalie Blanc. Et je remercie encore la Cour de cassation de son accueil. Et je précise que la prochaine conférence portera sur plateforme et droit du travail avec comme modérateur Laurent Gamet, et interviendront des universitaires et avocats sur cette question qui, je n'en doute pas, sera tout aussi passionnante. Merci à tout le monde et bonne soirée à tous. Au revoir.